Hello les potas, ici DiaboliqueVR59 pour la chaîne L'Antre de Diabolique. Et bien aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, un petit arrivage, et oui, donc une petite vidéo concernant ces mini figurines de Borderlands 3 que l'on peut trouver. Alors pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, quand vous les achetez, vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dedans. C'est des mystery box. Donc la première fois j'avais eu Zen, qu'on peut voir ici. Donc j'ai eu celui-ci. Bon bah là il faut falloir espérer qu'on n'aura pas celui-là. Ce serait quand même beaucoup mieux. Alors j'avais déjà galéré la première fois avec le plastique. On va voir si. Ah, ils sont vraiment bien mis. C'est des vulgaires bouts de scotch, mais. Alors comme vous pourrez voir, j'ai un peu modifié mon éclairage, j'espère que vous verrez mieux que la première vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir aujourd'hui? Allez, j'essaie de pas trop abîmer la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, ma petite Trinity là! Ah mais excellent! Je l'avais pas encore celle-là en plus. Alors, en même temps, j'avais Xen, donc... Aïe. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Ah, c'est pareil, j'aurais dû prévoir un ciseau. Bon, je vais aller chercher des ciseaux. Voilà, me voilà de retour. Allez, on va prendre... on va essayer de couper ça correctement. Hop. C'est mieux que tout déchirer. Alors, voyons un petit peu à quoi elle ressemble. De plus près. Alors déjà on va lui mettre son petit flingue. Hop. Voilà. Et voilà. À quoi ressemble Tiny Tina dans la version mini figurine. Je vais essayer de vous faire un petit zoom là-dessus. Voilà. On voit bien là. En fait, la manufacture, elle est plutôt bien faite, je trouve, pour rapport justement des figurines, on va dire d'aussi. On aurait pu croire de mauvaise facture, mais en fait non. Même le visage, je le trouve plutôt cool. Je sais pas si vous voyez bien là. Ouais. Voilà. Hop, ma petite Tiny Tina. Est-ce qu'elle tient toute seule? Ah. Un petit souci d'équilibre, le Tinitien. Il n'y a pas de plateau sur cela. Bon, à mon avis, il va falloir que je trouve. Ah, peut-être, ou alors mon plateau est en même temps. Ah bah oui, le plateau est un peu incurvé. Bon, donc on verra bien. Voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura fait plaisir. Et puis, je vous dis à très vite, parce que j'ai l'intention de continuer à en acheter de temps en temps. Et j'essaierai de peut-être vous refaire dans le même format, c'est plutôt sympa, là on le voit bien en plus. Voilà, donc là du coup, allez, on va regarder quand même. Donc là on a eu, du coup, Tiny Tina, donc il nous reste Amara plus Amara Collector, enfin Amara version secrète, Lilith, le mal psycho, Zen je l'ai eu, donc Flak, Mose, Claptrap et une version de Claptrap, pareil, inconnue. Voilà, allez, à très vite les amis, salut, à ciao.